Ben, l'année dernière j'étais en probé, donc là la proa pour moi ben, c'est tout nouveau. Comment dire, le coach m'a pas de responsabilité, il sait que j'ai envie, j'ai faim, je le monte sur le terrain chaque seconde que je le passe. J'ai envie, donc à partir de là, il n'y a pas de rôle à donner. Comme il met sur le terrain, il sait qu'il va à fond et je toujours à fond. Chaque match qu'on perd, on le vit comme une frustration, mais aussi comme un peu comme de l'espoir. Parce que finalement, contre les plus grosses équipes, on est respectable. Quand on perd 2-3 points contre Paris de Valois. Donc bon, ce début de saison est difficile, mais le groupe reste encore uni, malgré la situation économique du club. Donc bon, c'est une bonne chose. Moi je suis quelqu'un de cool, tout le monde est cool dans le groupe. Il n'y a pas quelqu'un qui va s'y poser l'atmosphère, dire allez on fait grève. Non. Tous les jours on s'entraîne dur. On est là, on prend plaisir à jouer ensemble. Comment dire, on n'a pas d'objectif. Donc bon, qu'on est sur le terrain, on se donne à fond parce que voilà, c'est notre match du week-end. Et toute la semaine on a travaillé pour. Donc on essaie de passer pour les meilleurs possibles. Vous savez, quand il y a 2-5 majeurs qui jouent contre vous et vous êtes 5 joueurs, bon je parle pas pour moi, mais vous avez 3 qui sont trentenaires, ça c'est difficile de tenir sur demi-temps. Sur la première mi-temps, on a pu surprendre un peu Paris Levallois par notre jeu collectif, mais après, ça a été très dur pour les vieux routiers. Perdre 2-3 points à Paris Levallois avec un trajet difficile, beaucoup de doutes, pas beaucoup d'équipes qui auraient pu le faire. Bon, Louis profite au maximum de la situation, il joue 35 minutes, 40, 32, etc. C'est un joueur que je dirais qui a aujourd'hui qui a un potentiel offensif formidable. Et qui et puis voilà, maintenant il a son corps, c'est-à-dire qu'il fait 2m10, il est très fin, il joue contre des costauds, des joueurs comme Milton, comme Williams, c'est des hommes. Lui est encore un enfant, donc il a du mal en défense, mais je pense que ça sera un super joueur.